j'ai foi en toi. En ta force, ta capacité à me garder. Oui, tu es mon assurance. Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions, tu es ma force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Je sais, par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Quelles que soient les oppositions. Ô Seigneur, que mille dons à mes beautés, moi en toi, je ne serai pas atteint. Conduis mes pas quand je tombe, relève-moi, remplis-moi de ta présence. Éloigne de moi ce tu qui est ta force, mon bouclier. Oui, je sais, je suis plus que vainqueur. Sois loué au siècle des siècles, car toute langue confessera ton nom. Meurtri et humilié.
venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont cru. Par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, et m'a libéré pour l'éternité. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus.
Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration! Bonjour et bienvenue à l'Église communautaire Mountain View. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce qu'il y en a qui sont fatigués ce matin? Moi, j'ai eu un mariage hier, c'était super beau, mais tu sais, quand t'es dans les honneurs, tu dois rester un peu plus tard, enlever les décorations et tout, donc le dodo a été très court. Mais la beauté de la chose ce matin, c'est qu'on a un Dieu, on a un papa qui peut nous ressourcer, qui prend soin de nous, qui nous aime, qui nous envoie son amour. Alors, prenez un moment ce matin de vous ressourcer dans sa présence. Il va vous donner des forces que vous n'avez peut-être pas ce matin. Donc, c'est dans la louange et dans le message qu'on va être ressourcé ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Tu descends, viens vers nous maintenant.
toi qui sera contre moi. Puissant pour sauver en ton nom, Seigneur, au roi des cieux, viens. Au roi des cieux, viens. Au roi des cieux, viens. Au roi des cieux, au roi des cieux, viens. Au roi des cieux, viens. Une dernière fois tous ensemble, au roi des cieux. Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître. J'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Tous ensemble, je chanterai ton amour. Toujours, je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour. Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître. J'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour. Une dernière fois, je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours.
Celui qui m'a ouvert
Je chanterai
chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Une attitude d'adoration devant Jésus. Jésus qui est avec nous, qui est au milieu de nous par son esprit. De centrer nos regards sur lui, notre Sauveur, notre Roi, Amen. Celui qui prend soin de nous, qui nous a accordé toutes les promesses divines, afin que nous soyons tels que des fils et des filles dans les mains de Dieu béni par lui. Nous voulons te remercier, Jésus, te bénir, te rendre grâce. Nous te devons tout, nous te devons tout. Amen. Nous te devons tout et nous te remercions la grâce de nous avoir fait connaître la bonne nouvelle du royaume. Nous te remercions d'être toujours présent avec nous, toi qui as reçu tout pouvoir, toi qui, par qui nous pouvons tout, par qui nous pouvons tout. Seigneur Jésus, nous voulons encore donc aujourd'hui tourner les regards vers toi, voir combien tu es beau, tu es bon, tu es parfait. Amen. Tu es intègre, stable et fidèle. Pour nous tous, nous voulons te bénir et te louer, notre Sauveur, et par toi, admirer ce grand Dieu Sauveur qui t'a offert à nous si généreusement et qui le fait encore. Nous voulons te bénir, Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur, visite-nous ce matin dans nos âmes, dans nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, honore toi-même, honore-toi dans notre vie, dans nos vies, dans ce que nous faisons. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, accomplis tes projets, accomplis ton œuvre. C'est toi qui peux le faire. Et voilà pourquoi tout est à ta gloire dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, ceux qui sont pas assis. Bien, vous avez le droit de rester debout si ça vous chante. Je voudrais rendre grâce avec vous, Seigneur, aussi pour les biens qu'il nous apporte et bénir le Seigneur aussi pour les offrandes qui sont recueillies parmi nous. Je ne sais pas s'il y avait des personnes qui voulaient se porter volontaires pour recueillir les offrandes parmi nous. Voilà. Merci. Tandis que les offrandes sont recueillies, le temps passe et imaginez-vous que la semaine prochaine, c'est la Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit.
Il me semble que dans une église de Pentecôte, là, ça devrait être comme un anniversaire plus extraordinaire encore, de comprendre que la capacité qu'on a comme chrétien dépend complètement, totalement de la puissance de cet esprit qui est descendu. Et tout ce qui est raconté en acte 2, c'est pour nous les bleus, hein, c'est le plan de base, le projet. Tout ce qui se passe dans acte 2 doit être pour chacune d'entre nous vraiment comme un guide. C'est un guide, c'est un how-to. Comment ça se fait le royaume? Comment ça se vit la vie chrétienne? Ça se vit dans tout ce qu'on peut constater dans acte 2. Et la fête de la Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. C'est la fête du comment Dieu va accomplir son projet parmi nous. Alors, la semaine prochaine, donc, c'est un dimanche vraiment particulier. Bref, que le Seigneur bénisse ces offrandes qui ont été recueillies parmi nous et que le Seigneur bénisse ce temps qu'on va prendre aussi dans sa parole. Amen. Que le Seigneur aussi bénisse les tout-petits, les petits comme les grands. Amen. Merci beaucoup. Voilà. Bon, écoutez, on va avoir notre image de départ. Nous sommes sur une série, Le Semeur. C'est un bon temps pour faire ça aussi, d'autant que c'est de ça que je parle du royaume ici. Jésus a parlé du royaume, de ce qui concerne le royaume à ses apôtres entre sa résurrection et son ascension. Et puis après ça, il y a eu évidemment le délai de 10 jours jusqu'à Pentecôte. Et c'est un bon temps pour parler de ça parce que c'est, évidemment, si vous le constatez, en venant à l'Église, on traverse des rangs puis des routes, bref, bordées de champs, et on voit la magie qui s'opère. Hein. Vous voyez la magie qui s'opère dans les champs déjà présentement, là, les petites pousses, hein, ça arrive, ou peut-être avez-vous semé du gazon. Des fois, on essaie de renouveler un peu l'état lamentable de notre tapis verdoyant dehors, qui est un peu palette, des fois, tu sais pas. Mais il y a une magie qui s'opère. Hein? C'est assez extraordinaire quand on y pense. Là, hein? On répand de la semence ou on sème des graines individuellement, puis il y a quelque chose qui pousse. Et ce truc-là qui est une semence, une petite graine, là, tu ne peux la laisser sur le comptoir, sur une table pendant des années. Là. C'est inerte. Il n'y a pas de vie là-dedans. Hein? Vous avez déjà... Hein? Bon, c'est vendu en sachet, d'ailleurs. Là. Si vous avez acheté vos graines, là, c'est vendu en sachet. Ça traîne sur les comptoirs, ça, dans toutes sortes d'états. Il n'y a pas d'air ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de vie là-dedans. En soi-même, il n'y a rien. On ne peut pas dire que c'est vivant. Là. Et puis, magie, hein? Ça prend un humain qui va prendre ça et qui va le mettre dans la terre. Et là... Par la magie de la création, le mystère de la création divine, ce qui est inerte prend vie. C'est fabuleux, hein? Puis avec toutes les composantes de l'ADN de cette plante-là, là, de celle qui a porté ce grain-là, apparemment, tout est là. C'est une fleur, c'est du gazon, c'est un plant de maïs, peu importe ce que c'est, de la mauvaise herbe aussi. Ça pousse et ça vit. Et puis nous, est-ce qu'on a à chaque matin, après-midi ou soir, est-ce qu'on a à se rendre dans notre jardin ou dans notre terre-plein ou notre jardinet? Est-ce qu'on a à prendre une pince à cils pour tirer là-dessus pour s'assurer que ça sort? Pas du tout. Mais on a eu un rôle à jouer. Quel a été notre rôle? De semer, c'est tout. Et puis c'est ça, vous voyez, c'est extraordinaire parce que Jésus compare donc l'œuvre du royaume à ça. Il y a tout là, là-dedans. Déjà, on s'arrête, là. On peut, on peut triper là-dessus, là, un petit bout, dire, ah oui, c'est vrai, évangéliser, c'est ça. Oui, évangéliser, c'est ça, parce que la semence qui est la parole du royaume, tout ce que tu as à faire, c'est de la lancer. Tu n'as pas à agir pour que ça lève. C'est pas notre rôle. Il va s'opérer une magie entre cette parole qui, si on prend la Bible, hein, j'entends pas de poux, là. J'entends pas de souffle. On pourrait dire que c'est inerte. Et pourtant, un peu comme une semence, il y a la vie là-dedans. Il s'agit de la planter dans un cœur, et voilà, il s'opère une magie extraordinaire. Il y a la vie qui apparaît, telle que Dieu l'a voulu, l'a conçu. Wow! Je vais aller m'asseoir, j'ai fini. C'est beaucoup, c'est énorme. Et puis, en même temps, c'est simple. C'est très simple. C'est pas compliqué à comprendre. Qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire? La même chose qu'un semeur, de semer. C'est tout.
C'est ça, là, le travail de base. Mais en même temps, évidemment, il y a quand même plusieurs choses à considérer. Mais c'est déjà beaucoup. Donc, c'est ça, c'est fabuleux. Hein? C'est l'union entre l'œuvre humaine et le mystère divin qui s'opère avec cette parole-là tout à fait puissante. Bon, cela étant dit, l'évangélisation, ça doit se comprendre. Hein? Il y a des choses, les vérités du sommeur concernant l'évangélisation, c'est quand même des... Jésus répond à des questions importantes. Mais bon, c'est intéressant parce que Jésus, bon, il ne fonctionne pas comme un prof moderne là, avec point A, point B, ou bien question 1, question 2, puis on... Jésus raconte, il va expliquer un peu, mais ça nous demande de méditer pour aller plus loin ou comprendre ce qu'il dit entre les lignes. Et or, Jésus répond à des questions très profondes, très sérieuses à travers la parabole du semeur. Comme par exemple, tous peuvent-ils croire? Tous peuvent-ils croire? Ben non. Non. Parce que Jésus montre qu'il y a de la semence qui va tomber sur du chemin. Et il va même ajouter aussi, on va le voir dans quelques instants, il va ajouter d'ailleurs un argument clé. Donc, vous voyez ça, moi, déjà, j'aurais aimé ça le savoir quand j'étais jeune chrétien. Hein, je vous ai montré mes cicatrices d'évangéliste. D'évangéliste qui étaient surutilisés, brûlés, parce que moi, on me disait que tous pouvaient croire. Et que si une personne ne croyait pas, bien, le problème était à moi, comme porteur de la bonne nouvelle. C'est épouvantable, ça. Parce qu'on brûle notre monde en faisant ça. Non. Et ça nous offense. Parce que du coup, on a la deuxième question. Ben, si tous ne peuvent pas croire, pourquoi en parler à tous de bord? C'est une bonne question, ça. Hein? Ben, elle est là. Pourquoi en parler à tous? Parce que tous doivent entendre. Jésus, quand il parle de l'élan, puis le soin qui est grand comme ça, il faut que la justice de Dieu se fasse, même parmi ceux qui n'ont pas cru. Quand ces gens-là vont se présenter devant Dieu, ils ne pourront pas dire, « Wow, un instant, j'avais jamais entendu parler de ça. » Dieu va dire, « Non, tu en as entendu parler, mais tu n'as pas cru. De toute façon, tu en étais incapable. » Puis là, de dire, « Oui, mais pourquoi il ne les a pas rendus capables? » Dieu sait ce qu'il fait. Comme Jésus savait qu'en enseignant en parabole, une grande partie de ceux qui l'écoutaient, en attendant les Big Mac qui allaient venir, savaient exactement qu'il y a un paquet de personnes. Et d'ailleurs, il était tannant, il faisait exactement pour ça. Il disait, moi, je n'ai pas de temps à perdre, je vais enseigner en parabole, puis ceux qui comprendront ce que j'ai à dire, c'est ceux qui sont mes disciples, puis qui veulent le savoir, ils viennent me voir d'ailleurs pour connaître l'interprétation. Vous me suivez? Le reste des autres, oui, mais Seigneur, qu'est-ce que... ils ne veulent pas de toute façon comprendre. Je n'ai pas de temps à perdre, moi, là. Ils ne comprendront pas. Leur cœur, il va citer Isaïe, leur cœur est endurci. Il n'en est pas question, je n'ai pas de temps à perdre. Je vais enseigner, puis ceux qui comprendront, ce sont ceux qui sont mes disciples, qui veulent comprendre, puis qui vont venir me voir et dire, Seigneur, explique-nous la parabole. Vous me suivez? Donc, pourquoi évangéliser parmi du monde dont la majorité n'écouteront pas ou ne croiront pas. Parce que la justice de Dieu doit se faire. Ils doivent l'entendre. Il n'y a personne qui devrait, dans la justice de Dieu, se présenter devant lui au jugement dernier et dire, « Comment peux-tu me juger d'une chose que je ne connaissais pas? » Est-ce que vous me suivez, là? C'est pour ça que l'Évangile doit être prêché à tous. Wow! C'est une grosse question à laquelle on répond là, ici ce matin. C'est fabuleux. Qu'annonçons-nous? Alors, on a une autre grosse question qu'on a vue. Qu'est-ce qu'on doit annoncer? Alors, on va en parler encore un petit peu ce matin. Qu'annonçons-nous? Jésus a déterminé que le grain qu'on plantait, ça s'appelle la parole du royaume. C'est la parole du royaume. Est-ce que j'annonce le royaume de Dieu? On va se poser la question. Pourquoi des convertis ne portent-ils pas les bons fruits? Des convertis, là. Pourquoi des convertis ne portent-ils pas les bons fruits? Ou pourquoi des convertis abandonnent-ils? Bonne question, ça aussi. Ah non, mais on va voir ça tantôt, mais c'est ça, là, ça implique. Non, mais il faut y penser. Moi, quand j'étais jeune chrétien, j'étais dans un autre mouvement, évidemment, mais moi, on me disait... S'ils ne continuent pas, c'est parce qu'ils n'avaient rien compris au début. Alors, pourtant, moi, je les avais bel et bien entendus professer la foi,
être baptisé, évangélisé, même servir dans l'Église. Puis à un moment donné, il est arrivé des affaires, et puis à un moment donné, ils disparaissent dans le portrait. Puis quand tu les revois et tu veux leur en parler, c'est comme, ils veulent plus rien savoir. Là, tu es comme, là, tu comprends pas. Nous, on posait la question, on disait, comment ça se fait? On disait, ah, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas vraiment compris comme il faut. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas compris comme il faut? Ils en connaissaient autant, sinon plus que moi. Ils faisaient, c'est comme, il faut répondre à cette question-là, là. Et Jésus, il répond. Comment se fait-il que des personnes qui ont bel et bien compris sont converties? La semence est entrée dans leur cœur. La semence est là, germée. La vie de Dieu a émergé. Allô, vous me suivez, là? La vie de Dieu a émergé. Là, arrêtons là, de nous faire des accords, de dire, « Oui, mais c'était pas une vraie plante. » Non, non, mais là, c'était pas vraiment du blé. C'est pas ça que Jésus dit. La semence a levé. La semence vivait, mais il est arrivé des choses. C'est ça aussi qui arrive dans le royaume. Allô? Wow, c'est tough là, en théologie, là, ça, là, ce qu'on est en train de discuter. Là. Il y a des méchants débats, puis Jésus règle la question en une seule parabole. Moi, j'aurais aimé ça, moi, quand j'étais à l'école biblique, là, en théologie. Là. Oh là là, les débats qu'on a eus là-dessus. Avoir su que la parabole du semeur réglait tout. Alors, diapositive suivante. De quoi dépendent les résultats tout partout sur la planète, pas seulement au Québec? J'ai souligné tout partout parce que des fois, on se pose la question, comment ça se fait que ça ne marche pas au Québec? Comment ça se fait qu'en Corée? Comment ça se fait que en je ne sais pas où, là? Comment ça se fait? Est-ce que je pourrais avoir un petit café, mon amour? Non, non, c'est mon amour. Il est meilleur. T'es fin aussi, là. De quoi dépendent les résultats? Là, écoute, là, ça, c'est un département dans les librairies chrétiennes, là. Les départements là, d'évangélisation ou comment ça marche bien à telle place, aux États-Unis. Tu sais, des fois, on dit, ah, il y a des grosses églises, il y a tant de dizaines de milliers de personnes, il y a tant de centaines de milliers encore réparées, etc., etc. Puis comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont appliqué, puis c'est quoi le plan, puis etc. Moi, je sais pas, Jésus, là, il s'occupe pas de ça. Jésus s'occupe d'expliquer que le royaume de Dieu opère selon un système qui est à la fois simple et complexe, mais qui est semblable partout. Vous me suivez? Jésus n'a pas dit, voici pour ceux qui sèmeront au pôle Nord. Voici pour ceux qui sèmeront dans le désert. Voici pour ceux... Regardez la belle duchesse ici. Merci beaucoup, madame. Es-tu fine, es-tu fine? Ah, il est meilleur. Il est meilleur. Alors, Jésus, il nous explique que, dans le fond, les conditions pour que ça réussisse, ça dépend. Oui, c'est sûr, il y a des éléments culturels. Oui, c'est sûr, il y a des éléments historiques. Oui, mais en même temps, l'efficacité de la parole du royaume dans les cœurs des personnes, c'est pareil partout, parce que c'est le même être humain. Allô? C'est le même être humain. C'est la même parole du royaume. Alors là, il y a des éléments qui vont faire que ça va réussir ou non d'une façon ou d'une autre. Jésus les a nommés. En fait, on les reconnaît dans la parabole. Un, le grain. L'ADN du message, mesdames et messieurs. C'est quoi ton message? Écoute, si tu portes un message d'évangile dont le sujet central, c'est ta réussite financière, matérielle et populaire, c'est clair que tu vas avoir de la réponse. Allô? C'est ça qu'il veut, le petit Nord-Américain que nous sommes. Prêche un message qui flatte la nature humaine dans le sens du poêle. Tu vas-tu avoir du résultat, man? Excusez, là, je parle comme un ado, là. Non, non, mais ça m'énerve. C'est qu'on est là, qu'on se demande, « Oui, comment ça se fait que là, ça marche mieux? » OK, assis-toi, là, puis écoute l'Évangile. L'Évangile, entre guillemets. Écoute le message qu'ils ont. Est-ce qu'on parle du royaume de Dieu? Jésus, roi dans ta vie et dans la communauté. Les privilèges et les devoirs du citoyen du royaume. Hein? Et puis, bon, on comprend. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est... Alors, vous voyez, l'ADN du grain que tu vas semer, on récolte ce que l'on sème. Vous me suivez? Mais c'est pas parce qu'on récolte en abondance que c'est le blé du ciel, là. Moi, chez nous, si je sème de la mauvaise herbe là, ou du pissenlit sur le terrain, je vous jure, je vais avoir du résultat.
Parce que c'est pas exigeant, cette affaire-là, là, puis ça pousse dans toutes les conditions possibles. Mais est-ce que ça se mange? Ça a l'air que le pissenlit se mange. Mais quand même, si je veux du blé, c'est pas pareil. On récolte ce qu'on sème. Alors, Jésus nous parle que le résultat de Dieu, on se suit là, le résultat de Dieu, le résultat du projet de Dieu, l'ADN que Dieu veut voir émerger du message. Vraiment, le message de Dieu doit, à la base, être l'ADN du royaume. Mais là, est-ce qu'on connaît le royaume de Dieu? Moi, là, écoute, là, ça fait quand même un petit bout que je suis chrétien, que je chemine, là. Je veux dire que ça fait une cinquantaine d'années, parce que j'ai commencé quand même assez jeune. Puis ça a été des décennies avant de me poser la question, finalement, c'est quoi le royaume de Dieu? Ça fait dur, là. Quand tu es chrétien depuis des décennies, puis même pasteur, puis qu'à un moment donné, tu te dis, finalement, je sais plus, je me pose la question, je sais c'est quoi une église? Bien, une église X, une église Y, un groupe maison de ci, un ci de ça, une assemblée de ci, une activité de ça, etc. Je sais toutes ces choses-là, mais le royaume de Dieu, finalement, c'est quoi? Ben oui, c'est quoi? C'est quoi le royaume de Dieu? Pourtant, c'est ça le message de base! C'est ça le grain de base! C'est comme, wow, attends un peu, est-ce que je suis en train de semer la bonne patente, là? Est-ce que je suis en train, à la base, d'amener une personne à qui je parle de la foi? Est-ce que je l'oriente vers le bon projet? Wow, c'est quoi le royaume de Dieu? Alors, vous voyez, bon, le grain, Jésus dit donc, le résultat dépend du grain. Alors, si tu as un grain qui plaît à l'environnement, c'est sûr que ça va lever facilement. Mais ça ne veut pas dire que c'est le grain de Dieu. Bon, ça, on a compris, là. L'élan, j'en ai parlé un petit peu, ça va dépendre de l'élan. Alors, évidemment, les résultats dépendent de l'élan. Bon, on va en parler aussi tantôt. Et enfin, de l'âme, et c'est ça qu'on a commencé à aborder dans ce qu'on appelle les terrains. Hein? Le sol pierreux, le sol avec les ronces, le sol qui produit, etc., etc. Donc, ça, c'est les trois éléments qui vont déterminer le résultat de Dieu. Si on veut parler du résultat de Dieu, pas le résultat d'une patente là, religieuse, même évangélique ou quoi que ce soit. Si on veut le résultat de Dieu, Jésus va dire, un, on fait attention à ce qu'on sème. Puis quand je vous ai présenté la parabole de l'homme qui plantait des arbres, vous vous souvenez, vaguement, il y a un mois, l'homme qui plantait des arbres, souvenons-nous le soin qu'il prenait à choisir les bons glands. Il les regardait, il ne fallait pas qu'il y ait de défauts. Il prenait son temps, il en rejetait plusieurs. Et c'est ça. Ça, c'est le vrai chrétien qui évangélise. Fais attention à ce que tu dis. Si tu veux les résultats de Dieu, il faut que tu soignes le message qui soit tel que Dieu le veut, etc., etc. Bon, allez, on va de l'avant. Là, évidemment, je vais faire un peu un capitaine bonhomme de moi, là, pour ceux qui se souviennent du personnage. Ou, en tout cas, je vais réviser juste rapidement. Le grain, donc, c'est quoi le grain? C'est l'appel à revivre, parce qu'on vit quand même comme humain, mais à revivre, à vivre une vie nouvelle. Dans le projet, le concept, l'idée, le projet, avec un grand P, de Dieu, qui est quoi? Jésus doit devenir mon roi sauveur. C'est ça, Christos. Christos, c'est roi sauveur. Jésus doit devenir mon roi sauveur. Et puis, je suis intégré en même temps à une communauté de serviteurs. OK, une communauté de serviteurs, c'est différent d'individus servis, ça. De bénéficiaires, on va dire ça de même, hein? Des bénéficiaires, quand je travaillais comme éducateur spécialisé, on les appelait les bénéficiaires. Dans le fond, parce qu'eux sont en demande de service, vous me suivez? Ils sont en demande de service. Or, malheureusement, il arrive qu'il y a beaucoup de projets d'église, c'est ça. Pourquoi? Parce que le message, c'est celui-là. Le message, c'est que Jésus, hein, Jésus, il est là pour régler tes problèmes. Jésus, il est là pour venir prendre soin de ta vie. Jésus, il est là pour que tu accomplisses ta vie, que tu deviennes épanoui. C'est vrai en partie, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que oui, Jésus veut t'épanouir pour que tu sois un serviteur, pas pour que tu sois la vedette du jour. Jésus fait de nous des serviteurs. Hey, osons le dire, les termes originaux dans le texte grec, savez-vous c'est quoi? Esclave. Doulos. Ouh, j'entends pas ça souvent, moi, là.
dire à des personnes que Dieu a un but dans ta vie, c'est que tu deviennes son esclave. Attendez la réponse. C'est audacieux, hein? Mais c'est dingue, hein? Parce qu'on pourrait, tu sais, mettons, moi, j'ai une sorte de petit fantasme spirituel, là, de dire, d'oser dire ça à quelqu'un. Vous savez quoi? Jésus dit que si cette personne-là qui m'écoute, elle est vraiment envoyée, si elle est de Dieu, si Dieu a son œil sur elle, puis Dieu lui donne la grâce par l'Esprit de m'écouter, elle va catcher. Parce que j'ai pas à mettre du miel sur la pilule pour qu'elle passe. Et ça, c'est un problème qu'on a, les évangéliques. Moi, là, depuis que je suis dans le milieu évangélique, là, c'est depuis 1979. On m'a appris que pour avoir du résultat, c'est pas faux, là, dans le monde de la vente, bien, il faut que je prenne soin de mon client. Puis il ne faut pas que j'y annonce un message qui est rébarbatif, négatif, dérangeant, choquant. Hein? Faut que je fasse attention. Il va tranquillement. On y va tranquillement. Parlez-y pas de repentance, là, que l'idée. Vous me suivez, là? Mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai remarqué, on met beaucoup l'accent sur si tu veux du résultat, si tu veux que ces gens-là adhèrent, il faut que tu leur présentes quelque chose qui n'est pas rébarbatif. Or, Jésus, il est complètement dans le contraire de ça. Jésus, il dit, non, gars, tu lances la parole du royaume. C'est pas ton problème là, de dire, ah, il faudrait peut-être que j'enrobe ma graine là, de sucre. Tu sais, on va mettre du sucre, on va mettre... Ça se fait d'ailleurs aussi, il y a des semences maintenant là, qui viennent, ils l'enrobent de vitamines, savez-vous ça? Ça coûte cher sans bon sens. Mais tu sais, ils garantissent, c'est quand un peu ça. Jésus dit, non, non, c'est comme pur. C'est pur. Puis occupe-toi pas du reste, parce que c'est pas de tes affaires. C'est la magie de Dieu qui va faire que ça lève. J'ai eu un amen, c'est bon, ça me fait plaisir. Non, parce que je vous dis, dans certains milieux, là, j'aurais pas grand amen, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il raconte là? Mais pourtant, écoutez, c'est ça. Alors, la parole du royaume, le grain, acte 2. Acte 2, j'en ai parlé tantôt dans l'introduction en parlant de la Pentecôte. Acte 2, là, bien là, il y a tout le message de l'apôtre Pierre, c'est correct. Mais mettons, prenez juste les 10 versets 37 à 47. Je ne les lirai pas, là. 37 à 47, là, vous voyez c'est quoi le royaume. Quand parmi les milliers de personnes qui entendent Pierre pour la première fois, disent « Oh mon Dieu! » Puis il ne vient pas de leur dire quelque chose de très gentil. Il vient de leur dire que c'est une gang d'assassins. Ils ont assassiné le roi, le Messie. Là, il y en a qui sûrement, ils ont déjà quitté. Là. Ceux qui avaient, il y en a qui parlent de ça. Il y en a d'autres qui sont sciés en deux et disent, « Ah! Qu'est-ce qu'on va faire? » Puis là, Pierre qui leur dit, « Eh bien, remplissez des petites cartes, on a des services pour vous, on va vous rencontrer, on a une super belle communauté, on a des ministères, tout ça pour prendre soin de vous. Hein? » C'est ça la réponse? Il leur a dit, « Repentez-vous! » Ça, c'est « Oui! » Veille la galette, bout pour bout, là, tu sais, c'est comme, là, c'est l'ours, là, puis le vire à l'envers, man. C'est comme changer de vie complètement, spinner, là, parce que là, ça va mal. Et puis, donnez-vous totalement, faites-vous baptiser, transformez votre vie, mettez-vous sous l'autorité du Seigneur Jésus, le roi sauveur. Et là, le texte dit, là, tout ce qu'ils se sont mis à mettre en œuvre. Acte 2, 42. Ça, je n'ai pas vu de beaucoup de petites plaques. Là. Ils se vendent des petites plaques dans les librairies chrétiennes avec des versets, là, je sais pas, des versets de bénédiction. Acte 2, 42, pourtant, ça devrait être la seule plaque qui pourrait exister. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans les prières. Ça, là, c'est ce que le Saint-Esprit a fait dans la première communauté. Et vous remarquerez, « il », c'est au pluriel. Parce que la piété, la spiritualité, la dynamique du Saint-Esprit opère dans la collectivité. Et ça, c'est un autre aspect, vous voyez, là, où on se dit, là, on revient au grain, c'est quoi? Le message, il est collectivisant. Le message t'intègre dans une communauté. Et c'est là qu'on voit, qu'on dit, oh, peut-être qu'on a un petit peu trop individualisé notre évangile. Vous me suivez? Parce que quand on présente le plan du salut, les quatre lois spirituelles,
Avez-vous fait ça? Moi, je les ai toutes passées, là, les systèmes de messages d'évangélisation. C'est fou comment c'est individualisant. Il est où la place où on dit à la personne qu'elle doit intégrer une communauté? Nulle part. La preuve est qu'une fois que la personne a prié la prière de repentance là, ou accepté Jésus comme sauveur, on a toutes les misères du monde d'y expliquer que ça sera le fun qu'elle vienne à l'église. C'est vrai, ça? Parce que la personne, elle a dit, OK, oui, Jésus est dans mon cœur, oui, j'ai-tu tout, là? T'as tout. OK, merci beaucoup, c'est super. Oui, elle est partie. Là, on dit, ah, oh, c'est le fun, il a accepté le Seigneur, tout ça, oui. Il est où? Ah, oh, ça ne l'intéresse pas de venir à l'église. Oui, Pelay. Je pense que tu n'as pas semé le bon grain. Là. Personne qui ose dire ça, là. Et pourtant, c'est ce qui vient de se passer. On n'a pas prêché le royaume. Hein? Il n'y a pas de royaume sans une communauté de citoyens. Hein? Si quelqu'un dit, moi, je vis dans le royaume de la rue Chaumont, 1003, rue Chaumont, c'est mon royaume. Pourquoi? C'est ma maison, c'est mon royaume. Bien non. Un royaume, c'est une société, c'est un groupe. Or, l'Évangile, c'est ça te collectivise. Tu es obligé de vivre avec d'autres. Tu dois les servir, pas pour que les autres te servent, que toi, tu serves les autres. Les autres vont te servir, mais toi aussi, tu dois servir. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante du Seigneur. Tu n'es pas un bénéficiaire. Tu n'es pas un spectateur. Aïe, 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 aïe. C'est bon, la parabole du royaume. Hein? On va boire un petit peu de ce merveilleux café. L'élan. Et là, je ne parle pas de l'orignal. L'élan, Camerio. Merci. Cette bonne nouvelle du royaume sera communiquée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. J'en ai parlé tantôt, mais juste trois mots. Je ne vous les ai pas écrits, malheureusement. Mais il y a des fois que, il y a des affaires qui apparaissent après la conception de mon PowerPoint. Amplitude. L'amplitude du geste. Jusqu'aux extrémités de la terre. OK? Oh! Donc, pas de limitation dans l'annonce. Amplitude large. Aveugle! Parce que c'est bizarre, parce que ce semeur-là, là, bon, moi, on voit des tracteurs. Vous avez vu les tracteurs qui semaient là, dans les dernières semaines? J'en ai pas vu, moi, qui ont semé sur la rue. Ça aurait été d'une générosité, comment dirais-je, extravagante. Or, Jésus lui dit oui! De même, parce qu'il faut que la justice de Dieu se fasse, il faut que tous entendent. Et ça, pour nous, j'avoue, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on a tout... OK, d'abord, je vais me confesser publiquement, c'est correct, là, arrête la caméra, là. Mais moi, des fois, je me dis, j'y parlerai pas du Seigneur à elle, oh boy, ou à lui, oh, c'est pas le genre. Tu sais, des fois, il y a du monde où tu te dis, oh mon Dieu, il est heureux. Non, je ne parlerai pas du Seigneur. J'aurais peur, tu sais, Jésus. Et pourtant, on ne sait jamais. Jésus lui parle et dit à tout le monde. Donc, il ne faut pas se donner de restrictions. Il ne faut pas commencer, nous, à déterminer. Oh, il y a même dans l'évangélisation récente, là, je regardais parce que bon, on a participé à ce genre de choses-là, qui appelle ça l'évangélisation pépite d'or, ou quelque chose de même. C'est-à-dire que les chrétiens en groupe se réunissent, Jeunesse en mission, l'Église aussi à Las Vegas. Tu pries, puis là, tu dis au Saint-Esprit, montre-moi à qui je dois parler du Seigneur. Puis là, donne-moi une vision, donne-moi une image. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, ah, moi, je vois quelqu'un, il y a un T-shirt jaune. OK, parfait. Là, ils partent, s'en vont, là, puis là, ils chantent quelqu'un au T-shirt jaune. Puis là, ils parlent du Seigneur parce qu'ils disent, bien, le Saint-Esprit nous a conduits. Puis des fois, oui, effectivement, ils ont des résultats. Puis là, bien, ça renforce leur opinion à l'effet que tu évangélises juste ceux vers qui le Saint-Esprit t'envoie. Excuse, c'est pas ça, là. Ça, c'est pas la parabole du semeur. Puis que la personne au T-shirt jaune qui répond positivement, un, ça ne veut pas dire que vraiment elle va rester, puis deux, ça ne veut pas dire que, tu sais, c'est comme, oui, mais si tu avais parlé à l'autre au T-shirt rouge, peut-être qu'aussi tu aurais eu du résultat, tu sais, c'est comme, c'est pas ça que Jésus te demande. Jésus ne te demande pas de faire une intervention chirurgicale au scalpel, puis d'arriver, là, tu sais, à la tumeur qui est placée entre des nerfs, puis tout ça. Non, c'est pas ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est... Tout le monde, même ceux que tu dis,
Ah, je suis pas sûr. Tu n'as pas d'affaire à décider ça, je suis pas sûr. Tu as affaire à parler à un point, c'est tout. Qu'on se tape pas la tête sur le résultat, là. Le résultat t'appartient pas. Toi, ton devoir, c'est de parler. Un point, c'est tout. Et assiduité. Donc, hein, c'est des. Oh, c'est un vrai prédicateur. Amplitude, aveuglément et de manière assidue. Assidue, c'est-à-dire on lâche pas, on recommence, on continue. D'où le petit texte que je vous avais partagé là, il y a un mois, qui disait, il est là dans les champs, le divin, le céleste sommeur, partout sa main s'étend pour atteindre les cœurs. Chaque jour au matin, répétant son labeur, il relance le grain, hein, et ne compte pas les heures. C'est ça le sommeur. Le sommeur recommence. On ne stagne pas. Parce que c'est, pourquoi? Parce que c'est ça, sa job. Le sommeur, il sème. Le sommeur sème tout le temps, puis il recommence, puis il est disposé comme ça. Donc, l'élan, c'est très important. Comment avoir du résultat? Moi, on est trop en circuit fermé. Moi, je suis trop en circuit fermé. Je m'empêche trop de partager l'Évangile. La vraie. Je m'empêche trop. Je suis trop sélectif. Puis, tu sais, c'est comme, j'ai du travail à faire. C'est sûr que, effectivement, moi, je dois confesser que ça fait longtemps que je n'ai pas vu une personne devant moi s'ouvrir les oreilles et le cœur, puis être intéressée. Pourquoi? Bien, je ne sème pas beaucoup, il faut dire. J'attends la terre parfaite. Ça fait longtemps que j'attends. C'est pas comme ça qu'est le sommeur. Le sommeur... Il doit semer largement. Bon, l'élan et enfin l'âme. On va en venir. Il faut déjà que je conclue. On va se voir dimanche prochain. L'âme. Donc, Jésus révèle quatre conditions qui influent sur nos résultats. Et là, on peut dire, ah oui, OK. Donc, je sème largement. Je prends soin de prendre le bon grain. Je dois avoir le bon message. Mais il va y avoir quatre conditions humaines qui vont faire qu'on aura des résultats variés. Comment comprendre ça? Alors, le premier, on l'a vu, je fais du rappel ici, là, je brosse un tableau. Je continuerai, inquiétez-vous pas, la semaine prochaine. L'âme au bord du chemin, ça dit, celui qui écoute la parole du royaume, hein, on le souligne, mais ne fait pas de... Moi, j'ai traduit le terme grec, dans le fond, quand il dit « il ne comprend pas ». En grec, c'est « sunniemi ». « Sunniemi », c'est comme... je le traduis là, « fait pas de lien dans son esprit ». Parce que quand on comprend quelque chose, là, quand tu finis par comprendre quelque chose, c'est que dans ton cerveau, ce qu'on est en train de t'expliquer, ça crée des liens de connaissance. Il faut que tu aies, on appelle ça la connaissance préalable pour aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire, un enseignant, là, pour faire comprendre un concept à un enfant, il faut qu'il éveille chez l'enfant déjà des connaissances préalables. Des fois, par exemple, il va faire un lien avec quelque chose que l'enfant connaît. « Hey, les enfants, savez-vous, là, vous rappelez-vous quand titatitata ou quand ta maman fait telle chose? Ah, vous souvenez-vous telle affaire? » Ouais. On éveille une connaissance préalable que l'enfant connaît. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On injecte la nouvelle connaissance en la liant à ce vécu. C'est ça de la pédagogie. Vous me suivez? Bon, en tout cas... Alors, Jésus lui dit, ceux qui sont comme sur le bord du chemin, qui ont l'âme sur le chemin, si on veut, le chemin durci, pourquoi ils ne répondent pas à l'Évangile? C'est qu'il n'y a aucune possibilité dans leur âme, dans leur esprit, de faire un lien avec ce que tu es en train de leur expliquer. C'est comme, il n'y a rien qui allume. C'est comme, tu leur parles, là, puis la réponse dans leur esprit, c'est quoi la réponse? C'est comme, de quoi ils parlent, là? À quoi ça sert, ça? Comment est-ce que ça peut m'intéresser, ce que tu es en train de me dire? Ils ne vont pas te le dire par politesse, mais mettons qu'ils seraient assez polis. Une fois, c'est comme, de quoi tu parles, là? Vous me suivez? Tandis que la personne qui est éveillée par la grâce de Dieu, c'est une grâce, là. La personne qui a l'étincelle divine, parce que Jésus dit, le Saint-Esprit va convaincre de péché, de justice et de jugement. Il faut qu'il y ait une intervention spirituelle de Dieu. Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais de Dieu. Alors, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. C'est Paul qui dit ça. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et la personne là, que tu parles peut-être trop, là, tu parles, ça c'est moi, là, mais tu parles. Puis là, à un moment donné, la personne, là,
Puis qu'est-ce que t'en penses? La personne, là, il y a quelque chose. Il y a une lumière. Des fois, tu vas le voir dans ses yeux. Des fois, tu vas la voir dans une larme qui coule. Tu vas voir la personne, puis elle va dire, « J'ai jamais entendu une affaire de même. Je suis bouleversé. » Ou ce que tu parles là, la personne relie ce que tu lui dis à du vécu personnel, à des questions qu'elle a même criées à Dieu sur son lit dans la nuit. Vous me suivez? Elle fait des liens avec du personnel. C'est ça, comprendre. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est comme, tu parles là, ils t'entendent. Tu pourrais leur dire, peux-tu répéter ce que je t'ai dit? Ils vont te répéter ça, mais ils vont dire, ça ne fait pas de sens. À quoi c'est utile ce que tu me dis là? Tu perds ton temps dans ta vie, là. Pourquoi tu ne vas pas travailler, là, puis gagner ta vie, puis faire de l'argent comme tout le monde? Là? Comprenez-vous? C'est ça l'étincelle. Donc oui, c'est intéressant, là, les âmes qui sont comme celles du bord du chemin, ça vous explique pourquoi ça ne fonctionne pas, en fait. Pourquoi ça ne marche pas, ça ne clique pas. Puis tu peux prendre une heure supplémentaire, si tu veux. Là. Mais tu sais, aussi, en même temps, des fois, tu n'es pas obligé de perdre ton temps longtemps. Tu parles à la personne de Dieu, puis si tu vois qu'il n'y a pas de résonance, c'est pas comme... Tu sais, ça ne te revient pas, là. C'est comme ça qu'ils marchent, hein, les chauves-souris, on parle de sonore. Tu envoies un petit bruit... Ça frappe un objet, puis le rebound revient, puis la chauve-souris a des grosses oreilles comme ça, puis oh, il y a un objet, il y a quelque chose. C'est un peu la même chose, évangéliser, t'envoies la parole du royaume, puis s'il n'y a pas de résonance, si la personne ne te revient pas avec une parole qui résonne en disant « Wow, c'est fou ce que tu me dis là, parle-moi-en encore plus. » Tu sais, tant qu'il n'y a pas ça, Jésus dit « Gars, wouh! » Va ailleurs. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il disait, va-t'en, là, rentre dans une maison, puis si, bénis les gens qui sont là, puis si les gens te reçoivent, assis-toi, mange avec eux autres, reste là, parce que c'est là que le royaume va s'étendre. Mais si les gens te disent, même pas intéressé à votre affaire, c'est comme, merci beaucoup, bonjour, on s'en va ailleurs, perds pas ton temps. C'est ça, évangéliser. Voyez, moi, j'avais pas été élevé de même, moi, dans ma vie chrétienne. Moi, dans ma vie chrétienne, disait, tu fais sur le clou tant qu'ils rentrent pas. J'ai fait du mal à du monde, sans bon sens. J'ai brûlé du monde. Mes parents, mes proches, ma sœur aînée, elle était très, très catholique, très pratiquante. Hey, je te l'ai blasté solide, là. Lavé à l'eau de Javel, man. Elle voulait plus rien savoir. Elle voulait me tuer, là. Elle s'est sentie... Je la lâchais pas, mais moi, je pensais, on me disait que c'était ça, évangéliser. Évangéliser, c'est parler de Jésus, qu'elle est pécheresse, qu'il faut qu'elle se repente, foisonne à Dieu. Ce qu'elle fait maintenant, après son temps, c'est comme si elle, c'était comme... Ah! Et moi, je continuais. Mais tu sais, quelque part, je fais mal. Mais tu sais... Non, mais c'est fou, là, comme on est fou. Ça n'a pas de bon sens, notre affaire, là. Comprenez? C'est important de ce qu'on se dit, là. C'est de base, là. On est vraiment, on revient sur la base, là. Il faut qu'on comprenne que, écoute, oui, parle du Seigneur largement, mais dès que la personne n'est pas intéressée, yeah, c'est correct, là, excuse. Ben, c'est correct, c'est bon, on parle d'autre chose. Ah, température de ce temps-ci. Bon, c'est tout. C'est tout. Porte pas le poids de dire, moi, on me disait, porter le poids, cette personne-là, ça va en enfer, si tu la convaincs pas, tu portes... Écoute, je portais ça... la responsabilité de sa donation. On rit, là, mais il était sérieux, là. Hey, ça coûte cher de thérapeute, cela, revenir de ça, là. Non, mais... Oh là là, si vous connaissez un chrétien qui est encore de même, gars, soyez-vous avec lui, puis jasez-lui de la parabole du royaume. Dites-lui, hey, arrête, là. On a jusqu'à où, là... Il n'y a personne qui m'arrête. Moi, quand j'ai pas de cloche qui sonne, je continue. Bon, la deuxième, donc, quand même. L'autre, alors, donc, vous avez été... Ah oui, c'est ça que je vous disais. Vous voyez, c'est intéressant. Dans le même chapitre où Jésus donne la parabole du semeur, il est écrit, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume. Hein? » Jésus, drette là, il répond en question. Est-ce que tous peuvent croire? Qu'est-ce que Jésus répond? Non. Il faut que ça te soit donné par Dieu. Donc, gars, si quelqu'un n'est pas intéressé, porte pas le fardeau de ça. On continue. Le sol pierreux, dont a parlé mon frère la semaine passée, le sol pierreux, celui qui prend la parole avec joie, mais qui n'a pas de racine en lui-même et ne dure pas.
En passant, attention aux réponses rapides. Moi, j'en ai eu quand les premières années où j'étais dans le milieu évangélique, 79, 80, 81, là, où j'étais au cégep à Saint-Jérôme. Au cégep, on était entouré de monde, on parle. Après ça, c'était les années aussi, tu sais, on finissait les années hippies, on pouvait parler de spiritualité avec tout le monde. Or, nous, on en parlait solide parce que notre pasteur était en fait un missionnaire d'Afrique, qui était évangéliste, puis lui, il pouvait présenter l'Évangile avec le livre de l'Ecclésiaste. Mais bon, bref, tout ça pour dire, là, tu sais, lui, il évangélisait tout le temps. C'est pas compliqué, le dimanche matin, on se posait pas de questions. Peu importe le texte par lequel il partait, on finissait tout le temps par l'Évangile à la fin. Ça, tout parlait de l'Évangile, tout parlait de l'Évangile. Nous, on évangélisait, c'était notre raison d'être. Notre raison d'être, c'était d'évangéliser. Or, on présentait le plan du salut, on présentait la prière de repentance, et beaucoup priaient avec nous. Et nous, on revenait tous les dimanches suivants, on levait la main, j'ai parlé à du Seigneur à une vingtaine de personnes, il y en a 10 qui ont fait de la prière de repentance. Puis beaucoup même, des fois, se réjouissaient, certains venaient à l'Église. C'était la joie. Mais au bout du compte, là, au bout de 2-3 ans, il n'est resté pas grand monde de tout ça. Quelques-uns, une poignée, dont la plupart, d'ailleurs, on est allé à l'école biblique après, on avait vraiment l'appel de Dieu. Mais les 30, 40, 50 autres, là, qui avaient, entre guillemets, pris des décisions, fait la prière de repentance, sont retournés à leur vie ordinaire, des fois même pire après. Jésus dit qu'il y en a comme ça que, il peut y avoir une réponse, parce que là, on parle de le grain germe et il y a la plante qui pousse. Mais là, il y a les pierres. Et Jésus, vous voyez, c'est intéressant, dans le verset que vous avez encore sous les yeux, il dit, il n'a pas de racine en lui-même. Alors, à quoi servent les racines? À puiser la force dans la terre, vous suivez, là? C'est les mains qui mangent dans l'assiette. Et Jésus dit, ils n'ont comme pas de main, eux autres, là. Ils ne mangent pas, ils ne se nourrissent pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépendants des autres, parce que, bon, qu'est-ce qu'ils ont compris de ce que tu leur as dit aussi? Et ça, moi, je vous dirais, j'extrapolerais, c'est toute la notion, quand je reviens à acte 2, c'est toute la notion de la vie dans l'esprit. Ça, dans l'évangélisation, c'est manquant. Puis je parle d'évangélisation, ça peut être pas juste la première fois que tu parles, mais la fois d'ensuite ou l'autre fois d'après, d'amener la personne vers la conscience qu'il faut que maintenant que tu as Jésus dans ta vie comme roi sauveur, il faut que tu vives dans son esprit. Or, vivre dans son esprit, c'est aussi être connecté à la collectivité. Et là, il y a les 4 persévérances qui embarquent. Il faut que tu apprennes à apprendre la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, donc la célébration, tout l'aspect de la purification du péché avec la communion fraternelle. Donc, tu rentres dans un système de service et d'entraide dans la communauté et les prières. Il faut que tu apprennes à prier si tu pries. Il faut que tu pries, puis il faut qu'on prie, puis on prie ensemble. As-tu un besoin, on va prier ensemble. Et ça, c'est la dynamique qui fait que dans la collectivité, tu vis dans l'esprit. C'est ça, les racines. Alors, Jésus dit, non, ceux qui sont dans les sols pierreux, ils n'ont comme pas de racines, ne savent pas aller puiser leur force. Bref, à un moment donné, c'est pas long que ça mourre. Ça mourasse. Voilà. Alors, il dit, le sol pierreux, étant venu l'affliction et la persécution à cause de la parole, aussitôt il trébuche. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans le message de Carl, c'est qu'il a vraiment mis le doigt sur le bobo. Les pierres mettent à jour une difficulté dans la vie de foi collective, c'est les relations. Parce que persécution puis affliction, là, c'est dans le contexte du royaume. Alors, je vous l'ai dit, le royaume, c'est la collectivité. La persécution, l'affliction, c'est en rapport avec les relations. Et une personne peut avoir déjà des problèmes relationnels quand elle vient à Dieu. Ça se peut, ça. Ça dépend de son milieu scolaire, ça dépend de son milieu familial, ça dépend de son milieu amical, ça dépend des expériences qu'elle a vécues avec un conjoint, une conjointe. Elle peut avoir le système relationnel en elle qui est un peu affecté. Puis même si elle entre dans le royaume, dans la vie de la communauté, ça peut, à un moment donné, c'est sûr, il y a un temps...
Il y a un temps où on est comme sur les nuages. Je vous rappelle vos premières périodes, premiers mois, premières années, peut-être même de vie chrétienne. Tout est beau, tout le monde est gentil, puis tu vois pas de mal chez les autres, etc. À un moment donné, ça te tombe d'en face. Je sais pas, il arrive un jour où là, tu vois la réalité des gens tels qu'ils sont. Peut-être justement parce qu'il y a une petite chicane, une chameur, là, tu dis que c'est ça cette histoire-là, puis c'est des chrétiens, puis ils devraient pas avoir de ci, puis tout ça. Ou à un moment donné, t'es peut-être trop ci, tu te fais dire t'es trop le même, ou t'es pas assez comme ça, puis etc. Persécution, affliction, ça rentre là-dedans. Et là, on sent une pression. On sent une pression des autres pour ci, on sent une pression des autres pour ça, etc. Et là, ça commence à mal aller. Puis à travers ça, évidemment, comme Jésus disait, la notion de racine, c'est qu'on ne puise pas la force en Dieu pour compenser la pression du manque d'amour des autres ou la pression des exigences des autres ou la pression de l'incompréhension des autres. Et là, on étouffe. Comprenez? On écrase. Il faut... Comment je vous dirais ça? J'ai écrit ceci, je vais vous le lire. La survie de ce qui se passe dans mes relations extérieures dépend de mes ressources intérieures. Puis c'est une question de pression. Prenez une balloune. Gonfle la balloune. Prenez la ballonne et là, mettez-la dans de l'eau, puis descendez-la creux dans l'eau. Savez-vous ce qu'elle va faire, la ballonne? Sous la pression de l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compresse, parce que la pression de l'eau extérieure fait se compresser l'air intérieur. Donc, la pression extérieure, si elle est plus forte que la quantité d'air à l'intérieur, l'air va se compresser, la ballonne à ratatine. Puis le contraire, prenez la balloune puis mettez-la dans un espace vide là, où il n'y a pas de pression d'air, elle va expansionner. C'est fou, hein? Ça marche de même. Donc, il y a un rapport entre la pression, la quantité d'air et la pression exercée. Puis dans les relations humaines, c'est nono, mais ça marche pareil. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas écrit sur écran, la survie de ce qui se passe dans mes relations extérieures dépend de mes ressources intérieures. Plus tu es bien en toi-même, tu es capable de résister aux exigences des autres, aux problèmes des autres. Si tu es bien dans ta peau, là, si tu sais que tu es aimé de Dieu, puis que Dieu n'a d'exigence que tu ne vives qu'en lui, puis que tu aimes les autres. Vous me suivez? Quand tu as suffisamment de ressources intérieures, c'est pour ça que Jésus, quand il parle de ce problème-là dans l'âme, il va dire ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas assez de ressources. Ils ne vont pas se ressourcer en Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils n'ont pas assez de force. Puis quand quelqu'un d'autre, que ce soit un chrétien, leur frère ou les méchants inconvertis qui viennent les gosser, qui viennent les tanner, les écœurer, quoi que ce soit, cette personne-là, elle meurt. Sa foi meurt. Elle devient écœurée. Elle ne veut plus rien savoir de cette gang de bizarres-là. Première nouvelle, pouf, elle est partie. Vous me suivez, là? C'est profond, c'est psychologique, sans bon sens, là. Non, mais c'est profond, comprenez-vous? Il y a des explications, il y a des livres, ça, des pecs sont écrits sur les problématiques d'église locale, des livres pour des pasteurs, tout ça. Puis dans le fond, gars, c'est pas compliqué. Lis la parabole du semeur, médite-la, tu vas comprendre. Jésus a expliqué c'était quoi le bobo. Donc, les relations, c'est ça, notre frère, dimanche passé, il soulignait tout l'aspect relationnel est au cœur de notre vie avec Dieu. Comment vaincre les afflictions qui peuvent arriver sur moi par les déceptions qui me font vivre, les chrétiens me font vivre, je suis déçu du pasteur, je suis déçu de tel frère et sœur, je suis déçu de ci, ou je suis persécuté, on exige de moi, ou en tout cas les gens à l'extérieur, ils m'acceptent pas parce que je suis chrétien. Pression, déception, affliction, peine. Comment je vais arriver à vivre dans tout ça? Jésus dit, tes racines, mon petit homme. Creuse profond. Ressource-toi en Dieu. Va chercher les ressources en Dieu. Puis, on n'oublie pas, c'est la collectivité. Mais je ne sais pas comment faire. Bon, mais va voir tes frères et tes sœurs. Dis-leur que tu as besoin de prière. Dis-leur que tu aimerais ça apprendre à prier, que tu ne sais pas comment prier. Quand tu te mets dans le temps, tu sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit à Dieu. Comment je peux aller chercher mes ressources en Dieu? Je ne sais pas comment faire. Viens, il m'a te le montrer.
Parce qu'il faut, la seule manière de passer à travers les afflictions et les persécutions, ou peu importe les difficultés interrelationnelles, c'est d'être bien en Dieu, en moi. Il faut que ce que j'ai en moi soit plus fort que la pression extérieure. Et c'est comme ça que je m'épanouis. Je m'épanouis quand ma pression interne, c'est-à-dire les ressources de vie, de souffle de Dieu que j'ai en moi, sont plus grandes et plus fortes que ce qu'on essaie de m'oppresser à l'externe. Puis là, je suis bien. C'est bon, hein? Les épines. Ça, c'était supposé être le sujet d'aujourd'hui. Tout n'était qu'une introduction. Ne craignez rien, mesdames et messieurs. Alors, je serai là la semaine prochaine. Mais je voudrais quand même vous en parler parce qu'on va poursuivre ça la semaine prochaine et on va terminer la parabole du semeur parce qu'on va évidemment parler de ceux qui portent du fruit. Mais je ne sais pas, 11h30... Ben oui, ça attrape, moi, là. Ah, là. J'aurais le goût quand même de vous en parler un petit peu, OK? Donnez-moi 5 minutes. Donc, Jésus, les épines, il dit, « C'est ceux dont les soucis de l'époque et l'attrait des richesses étouffent la parole, la rendant sans fruit. » Alors, les soucis, c'est par manque, souvent. Quand on est inquiet, c'est parce qu'il manque de quoi? Hein? L'insécurité... Et les richesses. Les richesses, c'est le contraire, c'est les ressources et l'abondance. C'est comme, oups, j'ai un manque ou oups, j'en ai trop. Puis oui, c'est intéressant, Jésus, par ces deux mots-là, met le doigt sur une autre problématique qui est assez grande dans la vie chrétienne, c'est la gestion de tes besoins. La gestion de tes besoins. Puis il n'y a rien de mal à ça, là. C'est-à-dire, on a des besoins, nous, on est des bébites à besoins, hein? Il y a un célèbre Abraham Maslow, si vous êtes... Vous avez étudié un petit peu, vous avez entendu parler de la pyramide de Maslow. Super importante, plus que Khéops encore, celle-là. La pyramide de Maslow, c'est super intéressant, mais bon, j'en parlerai pas, j'ai pas le temps. Mais ça montre que l'humain, il a des besoins fondamentaux. Ben oui, il faut que je mange, il faut que je dorme, il faut que je m'entoure de personnes, que je me sente bien, que je sens que j'appartiens à quelqu'un, etc. Jusqu'à temps d'arriver à l'accomplissement de moi. C'est des besoins, c'est interne, on a besoin de tout ça, OK? Donc, Jésus dit, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est qu'on va être déstabilisé par le danger du manque ou par la gestion de l'abondance. Puis, c'est relié à deux phénomènes assez intéressants qui est l'insécurité et la valorisation. Ça, l'insécurité, là, ben, c'est intéressant parce que c'est même un petit peu comment sexualiser cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on reconnaît que chez la femme, souvent, ceux qui sont en couple, là, les petites lumières dans le dash, quand ils allument, c'est souvent une question d'insécurité. En tout cas, c'est fréquent. Tu me pardonnes d'en parler? Mais bon, mais c'est pas une question de couple personnel, je fais des blagues, mais c'est vrai, là. Je lis ça, j'entends ça, souvent l'insécurité. Puis le gars, lui, c'est la valorisation. C'est tout le temps, il y a des défis, « Ah, j'aimerais ça, si, ah, si on avait plus, ah, c'est telle affaire. » Il veut, tu sais, c'est comme l'homme, là, il veut être valorisé. Tu sais, moi, là, je fais la vaisselle, là, faut que je dise que je l'ai faite. Parce que pour qu'elle me dise, c'est beau, moi, petit gars. Je passe la balayeuse, il faut que j'y dise. J'ai passé la balayeuse, j'ai fait le lavage. Pourquoi? Parce que le petit homme, il faut qu'il se fasse flatter. Il a besoin d'être valorisé, le petit homme. J'ai passé la tondeuse, as-tu vu? Ben oui, c'est beau, t'as passé la tondeuse. Mais elle, quand elle fait le lavage, le ménage, elle fait ci, elle fait ça, elle vient pas moi pour me dire, as-tu vu, j'ai fait le lavage. Tu sais, moi, je prends ça comme acquis, tu sais. C'est-tu vrai, là, ou c'est pas vrai, ce que je vous dis, là? C'est bien trop vrai, là. Les hommes, là, c'est la valorisation. Là. C'est comme, oh, tu sais. On a soif de tout ça, les hommes, de la valorisation, du temps en train de penser. Puis, tu sais, quand on sent un appel, tu sais, un appel en avant. Mais même dans le monde chrétien, tu sais, les hommes, on va répondre à ça, à un nouveau défi devant Dieu, là. Tu sais, c'est comme, ah ouais. Mais, tu sais, sentez-vous l'appel vers l'Afrique ou je sais pas quoi, là. Tu sais, l'homme serait, oh, la femme, c'est comme, ben non, t'es malade. Comment on va vivre? Comment, tu sais, les questions viennent, puis ils sont légitimes, là, mais tu sais, c'est comme, hop, le souci est différent. Le souci est différent. Oui, c'était un autre métier que j'ai raté.
Oui, c'est ça. Je vous entends. Voilà. C'est intéressant. Donc, Jésus dit que, à un moment donné, ce qui arrive quand on est dans cette dynamique-là où on est juste en train de répondre à nos élans personnels, à nos besoins, à nos pulsions. Il y a une des sept requêtes du Notre Père qui se préoccupe de tout ça, c'est celle sur la tentation. Ne nous laisse pas nous soumettre à la tentation. Capital, Jésus l'insère dans la prière quotidienne. Pourquoi? Parce que justement, il faut qu'il y ait une gestion en nous de dire, il faut que je fasse attention de ne pas être tellement à l'écoute de mes besoins, de mes manques, de mes soifs, de mes pulsions, qu'à un moment donné, justement, je dérive du chemin. Puis là, je me détourne. Je ne suis plus dans le souffle de Dieu, je ne suis plus dans le mouvement de Dieu, parce que là, je suis juste en train de me préoccuper de mes besoins, de mes manques, de ci et de ça. Ça peut être légitime, on s'entend, là. Les besoins, c'est légitime. Que j'ai faim, j'ai faim. Je n'ai pas besoin de m'en excuser, là. C'est des besoins légitimes de sentir, même au top de la pyramide de Maslow, de dire, de sentir que j'ai une raison d'être puis j'accomplis quelque chose, moi, là, dans ma vie, là. Hein? Bon. C'est pas à m'en excuser, c'est humain, c'est un besoin, on en a besoin. Mais il faut juste, dans la vie chrétienne, Jésus nous montre, fais attention qu'il n'y ait pas de trop de ces appels-là intérieurs en toi, des pulsions, des impulsions, des nécessités, des soucis, quand tu es on va te savoir assez de ça, on va te savoir. À un moment donné, ça l'étouffe quoi? Ça l'étouffe ta foi. Ça l'étouffe ta confiance en Dieu. Ça l'étouffe, ta confiance en Dieu. Tu n'es plus dans la confiance, tu es dans l'inquiétude. Puis là, t'étouffes. Puis tu peux en mourir. Tu peux dire, moi, je décroche là, parce que je sens pas que Dieu prend soin de moi. Il y en a, là, les chrétiens sont là, là, ils ont des gros chars, ils ont la belle maison, ils ont le salaire qu'il faut, ils ont tout ce qu'ils ont. Ils sont pas malades, ils ont pas ci, ils ont pas ça. Puis, regarde, moi, je suis pogné, je suis tout le temps en manque, tout le temps en misère, tout le temps en affaire. Paf, je décroche. Ça arrive, c'est arrivé, ça arrivera. Jésus dit, dans le royaume, ça arrive des choses comme ça. Alors ça, c'est désolant, c'est triste. Perdre la compréhension de notre rôle par rapport dans la vie du royaume. Et ça revient tout le temps à comprendre c'est quoi la base du message. Nous sommes ici non pour nous-mêmes, mais pour le projet de Dieu. Nous sommes ici non pour nous-mêmes, mais pour le projet de Dieu. Ça revient encore au royaume. Si tu sèmes le grain du royaume, tu aides le nouveau chrétien à concevoir et à comprendre toute sa vie autour de cette seule réalité-là. Qu'est-ce qui compte, le royaume de Dieu? Jésus a dit à ceux qui s'inquiétaient, qu'est-ce qu'il leur a dit? Cherchez d'abord. Ah tiens, Gadon, il est sur la même ligne. C'est ça que Jésus donne comme solution aux gens qui s'inquiètent de « on va-tu avoir assez, on va-tu être assez valorisé, on va-tu être assez habillé? » Il parle exactement de ces besoins-là, insécurité, valorisation. Jésus dit « voulez-vous là, mettre ça de côté? La seule chose que vous devez chercher, c'est le royaume de Dieu. Qu'est-ce qui est juste à ses yeux? Qu'est-ce qui est important pour Dieu présentement? Est-ce que moi, je suis dans son règne? Est-ce que je suis dans sa volonté? Les conditions de vie entourant ma foi. Si ma foi dépend de la satisfaction de mes conditions personnel, ces conditions-là vont absorber ma foi complètement. Tellement que même, et je termine avec ça, tellement qu'on a vu apparaître dans notre génération quoi? Une foi matérialiste. On a vu apparaître des gens qui ont prêché un évangile de satisfaction de la pyramide. Que c'était ça l'évangile. Dieu vient à ton service pour te donner over tes besoins. Dieu va combler tes besoins. Dieu va empêcher que tu sois affecté. Dieu va empêcher que tu sois pauvre. Dieu va empêcher que tu sois isolé. Dieu va empêcher. Dieu va te donner une mission extraordinaire. Tu vas devenir... Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui arrive à tous ces chrétiens-là qui se font chanter ça? C'est de la déception, souvent, parce que, wow, c'est pas ça l'Évangile. Si ma foi dépend de la satisfaction de mes conditions de vie, ces conditions-là vont finir par absorber ma foi. Elles vont l'absorber, elles vont prendre la place. C'est ça de la mauvaise herbe. Jésus compare ça de la mauvaise herbe. Il va prendre la place. Tu sais, c'est super important. On continuera la semaine prochaine. C'est tellement important parce que même si vous regardez là,
un terrain où on a semé du bon grain, puis qu'il y a de la mauvaise herbe qui pousse, ou des pierres, bien là, les pierres peut-être un peu moins, mais parlons de la mauvaise herbe, c'est que une gerbe, on dit ça de même, de blé, un là, les conditions qui sont autour de ce seul grain de blé-là, de ce fouette-là, là, a aussi des influences autour d'eux. C'est-à-dire, moi, si je me tiens avec un chrétien qui est tout le temps en train de se soucier de sa richesse, de sa valorisation, tout le temps en train de s'inquiéter de toutes sortes de choses, est-ce que cette manière-là peut risquer de m'affecter? Oui. Comme dans un champ où on a du blé, puis on a de la mauvaise herbe. Puis si on ne s'occupe pas d'enlever la mauvaise herbe là, qui est autour d'un seul de ces grains-là, ce n'est pas juste elle qui va être affectée, c'est tout l'environnement. Puis là, oui, c'est vrai que des fois, on va vivre dans des milieux communautaires où ça peut être très malsain. Par exemple, moi, c'est sûr, si je m'insère dans une communauté chrétienne où on me met devant les yeux, on me fait reluire constamment le fait que je dois devenir une personne riche et célèbre, ça affecte la communauté au complet, ça m'affecte dans ma vie, je vais affecter les autres, etc., etc. Si je suis une personne insécure, j'arrête pas de parler de ce qui me manque, etc. Si je suis une personne qui est tellement préoccupée par sa valorisation, puis qui est tout le temps en train de se vanter de tout ce qu'il fait comme exploit, là, puis je parle pas juste de la balayeuse, là, mais tu sais, moi j'ai parlé du Seigneur un tel, qu'est-ce que je fais? Je répands autour de moi des manières, des concepts, des façons de concevoir la vie chrétienne qui sont malsaines, puis je suis en train de semer de la mauvaise herbe chez les autres. Vous me suivez? Puis c'est pour ça qu'on revient tout le temps à la notion que c'est collectif. Le royaume de Dieu, ça se vit collectivement, qu'on le veuille ou non. L'Évangile, il est collectif. Je ne vis pas ma vie chrétienne de façon solitaire. Il n'y a pas de Robinson Crusoe dans le royaume. Il n'y en a pas. Je vis en communauté. Et je dois prendre soin de ma vie chrétienne, non seulement pour moi-même, savez-vous, je dois en prendre soin pour qui? Pour ceux qui m'entourent. Je suis responsable de créer un milieu sain. S-O-I-N, là. Je suis responsable de créer un milieu sain. Il faut que je m'occupe de ma vie comme du monde, pas seulement pour que moi, je sois un bon blé portant du fruit, mais il faut que je m'en préoccupe pour ceux qui sont autour de moi pour créer des bonnes conditions aussi de vie chrétienne. Amen. Amen. La parabole du semeur, mes frères et sœurs, ça a l'air... Hein? Oh, tu sais, comme disait, c'est comment, il y a deux semaines, Jacques, comment il s'appelle? Philippe, oui. Tu sais, il disait, écoute, c'est un texte qui est... surutiliser la parabole du semeur, tout le monde le lit, on l'enseigne aux enfants, on fait des petits dessins, des affaires comme ça, mais tellement que ça en vient insignifiant. Mais c'est pas insignifiant, c'est la base. Tout le royaume de Dieu se trouve dans la parabole du semeur. Alors, nous bénissons le Seigneur. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, à ce moment de notre cheminement en tant qu'Église, à ce moment, Seigneur, capital de l'expérience que nous vivons ensemble, nous voulons te laisser la place à restaurer notre vision de ton projet. Seigneur, merci de faire avec nous ce que tu as fait avec tes disciples. Juste avant d'aller au ciel, tu les as enseignés pendant 40 jours de tout ce qui concerne le royaume de Dieu pour être sûr qu'ils aillent dans le bon sens, qu'ils construisent de la bonne façon. Toi, Jésus, qui es encore ici, pareil comme tu l'as été avec les apôtres, par ton Saint-Esprit, opère en nous, Seigneur, un renouveau dans la pensée, un renouveau dans notre intelligence même de l'Évangile, dans l'intelligence de ton projet. Restaure ici et maintenant la vérité du royaume de Dieu, le sens même de ton message. Fais, Seigneur, en sorte que ce que tu as appelé la parole du royaume, que cela reprenne valeur et vie. Seigneur, fais en sorte que dans nos pensées, des liens spirituels, des liens d'expérience se créent et se fassent afin que plus jamais on évangélise comme auparavant, plus jamais on ne se voit personnellement comme on le faisait. Et que peu importe ce qui sera devant nous comme démarche, comme expérience,
Peu importe ce qui est devant nous dans les mois et les années qui viennent, nous te prions, Jésus, que ce soit ton projet à toi, que ce soit ton plan à toi, que ce soit le grain de la parole du royaume qui soit semé ici et ailleurs largement, généreusement et incessamment. Nous le prions, Seigneur, pour ta gloire et pour l'avancement de ton règne. Amen. Amen, amen et amen. Merci, Seigneur. Soyez bénis. Alors, la semaine prochaine, on se retrouve. 5 juin, Pentecôte, que le Seigneur nous donne d'en vivre une avec lui. Amen. Amen. Tu feras jaillir le fleuve d'eau.
je peux me lier ta gloire. Notre Père est plus grand que toute la terre. Notre Père est plus grand que l'univers. Son amour est plus grand que celui des hommes. Son aide est bien plus grande que ton besoin. Son pardon est plus grand que le poids de ta douleur. Notre Père est plus grand que toute la terre. Notre Père est plus grand que l'univers. Son amour est plus grand que celui des hommes. Son aide est bien plus grande que ton besoin. Son pardon est plus grand que le poids de ta douleur. Son amour est plus grand que celui des hommes. Son aide est bien plus grande que ton besoin. Son pardon est plus grand que le poids de ta douleur. Oui. Oh, 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 oh. Plus grand que toute la terre. Notre Père est plus grand que l'univers. Alléluia. Alléluia. Ooh, alléluia.
Que ton nom de génération en génération soit magnifié et que ton règne s'étende d'âge en âge. Alléluia. Sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Ikabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela e yakolobeze bele mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds poalo bali susue. Il me dit cache-toi bomba nae. Sika Jezabel na batonae ba monote bomba nae ici en prière alobi cache-toi bomba nae. Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer bomba nae ici en prière. Grand héros tombé pour papa Kamisusu Babunginzila. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Obalobi, ba vieux prophète, Basilangalae. Il m'appelait, je le sais, Ikabwe Zopela Katina. Mituni bonani ezoumela yakolobe zebele mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds polo bali susuwe. Il me dit cache-toi bombanae posimba montoisane bombanae zabete cache-toi. Banae, bangope bazalaka, lokola yo cache-toi. Banae, viens apprendre le secret d'un parcours parfait. Banae, en prière, nakola sayo ningwa ninyo kutosa. Banae, et si j'ai le secret de la réussite en toutes choses. Banae, avant d'être exposé. Ici et cache-toi Bombanae. Viens et cache-toi ici Bombana. Cache-toi.
Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible.